Bonjour à tous, bienvenue sur Culture Gaming. On se retrouve aujourd'hui pour le Let's Play découverte de 4 Café Manager. Il est sorti sur PC il y a quelques mois maintenant. J'ai tellement eu envie de le découvrir et on me l'a offert pour mon anniversaire. Merci tout plein. Et du coup, bon, on va découvrir ça ensemble. Tu as fait tout le voyage depuis la métropole pour arriver à Bourg-en-Chat. C'est une petite ville cachée, loin des tumultes de la métropole. Tu ne te rappelles même pas à quoi elle ressemblait. C'est normal, tu étais encore bébé. Cet endroit semblait manquer à maman. Mamie est restée sur place. Ce n'est que maintenant que tu découvres pourquoi. Apparemment, elle gérait toute une affaire. Et nous voilà. Il n'était pas censé y avoir un bâtiment ici. Il y a un grand homme qui erre sur les lieux. On remarque des callosités sur ses mains et son sourire. Et vous êtes? La lettre de ma grand-mère m'a demandé de venir. Tiens le rejeton de Nanny, j'aurais dû le savoir, désolée de t'avoir fait peur. Je m'appelle Bonheur, j'étais un bon ami de ta grand-mère. Mais rien ne valait son armée de chats. C'est quoi ton petit nom déjà? Non, il n'y a pas déjà, mais c'est pas grave, on aurait pu le rajouter. Laisse-moi donc te regarder un peu. Alors, on va faire notre perso. Alors, on va mettre... qu'est-ce qu'on a? Milon. Je suppose qu'on débloque des choses après. On va mettre ça. Alors, cheveux comme ça. Ouais, c'est bien comme ça. Un fichier de sauvegarde existe déjà avec ce nom. C'est pas grave, c'était juste pour regarder vite fait. Soupir, regarde-toi un peu. Pourquoi je voulais le soupir? Tu as même ses yeux. Nanny passait son temps à me parler de toi. Mais même quand tu étais bébé, elle était déjà gaga de toi. Choisis une caractéristique. Gourmand, vous aimez déguster les plats autant que vous aimez les cuisiner. Plus 2 en cuisine. Votre tempérament doux calmera les plus ébouriffés des matous. Plus 2 en soin de chat et relaxation féline. Pardon. Vous avez le talent de faire en sorte que les autres se sentent chez eux. Je vais prendre ça. Est-ce que la lettre de Nanny dit pourquoi elle voulait que tu viennes? Pour rebâtir son café là? Je le savais. Laisse-moi t'aider à t'installer. Tout d'abord, trouve un nom qui tienne la mer. Café Miaou. Eh, mais c'est j'aime bien. On va le garder. C'est un nom qui a du chien, ou plutôt du chat. Et pourquoi on dit avoir du chien, d'ailleurs? Vous entendez le son caractéristique des miaulements. Trois petites boules de poils sortent la tête d'entre les arbres. Voilà certains des nombreux chats errants qui habitent Bourg-en-Chat. C'est l'occasion parfaite d'en adopter un, Zabou. Il faut des félins pour un café-là, après tout. On a de la place que pour un chat pour le moment. Tu pourras étendre ton café et accueillir les deux autres plus tard. Petit bidou, ils n'ont pas un gros appétit, moins un en besoin. Koulos vit au jour le jour, moins un en stress. Auto-nettoyant, il nettoie derrière eux. Je vais prendre cela. Mimine, donc c'est une femelle. Eh bien, je vais l'appeler Léa. Voilà. On a adopté notre premier chat. Donc ça, c'est les compétences du chat. Ok. Et ça, c'est les caractéristiques qu'on a choisies. Ils ont l'air de te faire confiance, Zabou. C'est sûr, tu as hérité du charme de ta grand-mère pour les félins. Comme tu le vois, le café a pris la tempête dans la voile. Mais j'ai réussi à sauver quelques meubles. Vous avez reçu des meubles un peu miteux. Super. Par contre, il va falloir plus de chaises. Tu peux en acheter plus chez Décor Gruff en ville. Allez, bon vent. Je reviendrai voir comment tu vas plus tard. Pour le moment, bonne chance pour transformer ce terrain en un joli café. Tu t'en vas comme ça, monsieur. Je dois me débrouiller tout seul. J'ai déjà peur. Alors, bonjour, mon sucre. J'espère que ce carnet de notes t'aidera. Ton objectif, c'est de délecter tes clients. Ces derniers auront des besoins que tu devras satisfaire pour augmenter leur satisfaction. Si les clients repartent satisfaits, ils gagneront plus de délices et donneront plus de ressources avec lesquelles tu pourras améliorer ton café. Les chats répondent aux besoins. Ok. Alors, ça c'est pour se déplacer, effectuer les tâches, zoomer. Nickel. Alors, on nécessite évier. Bah déjà, avant de nécessiter évier, votre café n'a pas d'entrée. J'ai pas de café, alors comment dire? Consommez votre café. Utilisez le mode conception pour bâtir et décorer. Le mode construction vous permet d'étendre votre café et placer différents sols et murs. Et après, on peut décorer. Ok. Alors, construire. Là, j'ai des points de construction. Ils sont ici. Ok. Je vais essayer de comprendre.
Là, sur la première ligne, je peux rien mettre. J'ai pas assez pour faire plus. C'est 16. Bon, on va mettre ça comme ça. Hein. Alors, attendez. Ensuite. J'allais dire, il faut bien mettre une porte quand même à ce café. Je vais la placer là. Là, on a des fenêtres. On va les placer sur l'extérieur. Petit buisson. Ça, je pense que c'est des choses qu'on a dès le début, ouais. Parce que ça a l'air de pas me coûter quelque chose, de rien me coûter, en fait. Alors, j'ai une table. On va la mettre là. Trois chaises. Les sièges doivent faire face à une table. Ok. Bon, on va mettre ça là. Hein. Ensuite, un petit tapis. On va le mettre là, près de l'entrée. J'ai un évier ici. Hop, je place tout ce que je peux. Hein. On verra plus tard. Alors du coup, j'ai des chaises, mais j'ai pas de table. Donc je peux rien en faire pour l'instant. Où est-ce qu'il a dit qu'on devait aller? Vers la ville. Alors, on a la boutique objets d'animalerie, marché, je suppose, pour acheter les ingrédients, meubles. Grand évier, machine à café. Machine à café, ça pourrait être bien, je pense. Alors là, il me faut des points comme ça pour acheter une table. Donc pour l'instant, je peux pas. Bah écoutez, on viendra acheter la machine à café quand on en aura besoin, que quelqu'un nous demandera quelque chose. Oh, on a quelqu'un qui arrive. Hello? Alors, là, c'est pour voir. Vagabond. Tu veux rien, monsieur? Ah, si. Bon, un verre d'eau pour débuter, ça devrait pas être trop difficile. Là, c'est pour attraper plus tard des chats, je pense. Bon, le monsieur, il est content. Là, faut que je nettoie, ok. C'est génial. Oh, on a gagné. Ah bah voilà, les points de tissu. Les tissus vous permettent d'acheter des chaises et des tables. Nickel. Donc, dès qu'on peut, on achètera une deuxième table. Ça a l'air vachement sympa, quand même, hein. Du coup, on s'occupe des vagabonds pour l'instant. On est gentils, hein. On voit là, jour 1, il est déjà 16h30. On a presque terminé déjà la journée, je pense. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il va nous donner, lui, en partant? Alors, lui, satisfaction 67%. Chat 1 sur 2. Total de chats. Ok, oh, ok. Du coup, est-ce que là on voit... Non, ça change rien. Je pensais que ça mettait peut-être 2 pour 2, mais non. Eh ben, on récupère tout doucement. Ah, qui c'est? Bonjour. Oh, j'étais tellement impatiente à l'idée de te rencontrer, Zabou. Je m'appelle Carla Lala. Appelle-moi Carla ou Lala ou les deux. Je suis la gérante de l'animalerie en ville. On a de nombreux objets à destination des propriétaires, tels que la nourriture pour chats, des boîtes à litière. J'espère que tu trouveras le temps de venir me rendre visite. Zabou, je comprends que ça puisse te surprendre, mais en réalité, je suis une sorcière. Figure-toi qu'il y a pas mal de sorcières qui vivent à Bourg-en-Chat. Je suis certaine qu'elles adoreront venir visiter ton café Miaou, elles aussi. Nous, les sorcières, payons en nectar. De nombreux marchands du marché... Marchands et du marché alimentaire apprécient tant le nectar que c'est la seule devise acceptée pour les recettes et les ingrédients. Si tu as l'intention de refaire les stocks de café Miaou avec de nouveaux aliments et boissons, je recommande de servir les sorcières et de collecter du nectar, Zabou. Personnellement, j'ai hâte de revenir au café Miaou plus souvent. J'espère que nous pourrons discuter plus longuement.
Alors, Carla a rencontré, nouvelle ressource débloquée, le nectar. Le nectar vous permet d'obtenir des recettes, des appareils de cuisine. Elle veut des bretzels, mais ça, j'ai pas. Bonne journée à toi, Zabou. Ah, la journée est terminée. Donc, du coup, j'ai servi deux vagabonds et j'ai rencontré Carla. J'ai récupéré ça du nectar. Et on me dit que j'ai encore 5 emplacements pour les chaises. Et que j'ai encore 2 capacités d'accueil restantes. Ok. Le soleil se couche à peine alors que vous entendez un miaulement rauque à l'extérieur. Vous ouvrez la porte pour savoir quel genre de chat errant peut miauler ainsi. Et voyez une silhouette sombre se précipiter dans Café Miaou. Un chat noir se retrouve assis dans votre café et vous dévisage de ses grands yeux aux pupilles jaunes. Bonjour. Bonjour. Tu n'as pas l'air effrayé, humain. Tu me rappelles ta grand-mère Nani. Je suis surpris de voir ce café ouvert au public. C'est de ton fait à n'en point douter. Les chats n'ont pas élu domicile en ces lieux. Les coussinets sont tendres. Qui ont élu domicile en ces lieux? Leurs coussinets sont tendres, leur ventre plein et leur vibrisse bien en droite. Ça me plaît beaucoup de voir ça, humain. J'ai quelque chose à te montrer. Suis-moi, je te prie. Ah là, je suis en train de dire où je dois aller. Vous suivez le chat noir dans une clairière profondément cachée dans les bois. Vous y découvrez une sorte d'hôtel ancien. Tu as remarqué, humain, à quel point ton café Miaou et ses chats ont apporté des tonnes de délices aux humains de Bourg-en-Chat. Au nom du salut de cet hôtel, je te demande de continuer ainsi. Remplis leur cœur de délices et obtiens leur aide dans la restauration de ce vieil hôtel. Je t'en prie, humain, fais ça pour moi. Quel est cet hôtel? Tu le sauras en temps voulu. Mais sache que c'est très puissant pour les bienfaiteurs des chats dans ton genre. À mesure que tu restaures l'hôtel, je suis certain que tu tireras moult avantages pour ton café et ses chats. Pour commencer, détermine le projet que tu devras accomplir. Chaque projet a des objectifs à remplir et une certaine quantité de délices. Pourquoi ne pas commencer par un projet? Alors, comme un arbre de compétences, je suppose. Ajoute 2 emplacements de limite de chats. Débloque petite litière, débloque... Ok. Là, c'est des recettes. Pour le déjeuner. Là, c'est les meubles. Recrutement. Je vais commencer par ça, je pense. Donc, il faut que je remplisse 100 cœurs, en fait. Ah bah, ça reste affiché, c'est cool. Bon, du coup, j'ai quand même pas assez de sous, hein, on avait dit, je crois, pour aller... J'ai pas ce qu'il faut encore pour acheter la table. Bon d'accord, je te dérange, hein, dis-le, on dirait vraiment Snow. Ça c'est bon, ça reste comme ça. Alors lui, il est comment? 67%, ok. On a gagné 7 cœurs. Le truc, c'est que... Ah, qui sait? Prendre la commande. Oui, je peux pas la faire. si je vais là... Qu'est-ce que je peux acheter? Non, c'est pas là que je voulais aller. Ce serait par ici. Machine à café. Fenêtre fleurie. Là, je peux acheter des... Je peux toujours pas acheter la table. Ça, c'est embêtant. Là, il n'y a rien. Bah, l'animalerie, je pense pas que c'est là qu'on puisse m'apprendre quelque chose. Bretzel. Recette de café, je vais faire. Par contre, le pain bretzel nécessite du pain. Je vais en acheter. Je sais pas sur quoi je dois le faire par contre. Alors, est-ce que j'aurai quelque chose de plus dans mon inventaire? J'ai pas acheté la machine à café. Par contre, comment j'ai fait le bretzel que j'ai acheté? Attendez, on va retourner là-bas. Là, je vais déjà me prendre la machine à café.
que là, ok, je peux acheter tout ça, mais comment je fais? Ah, là, j'ai quelque chose, par contre. Là, je nettoie. Mais je peux pas la satisfaire, hein. Puisque j'ai pas d'endroit où je peux faire... Alors, requiert évier, compétence 1, ingrédient pain. Bah, je l'ai. Évier, compétence de cuisine 1. Du coup, je pense que je dois pouvoir le faire quand même. Ouais, enfin, c'est pas ce que je voulais lui ramener, hein, à la base. C'est surtout parce qu'elle m'a demandé. Ah, je comprends pas pourquoi j'y arrive pas. Bon, c'est pas grave, on va pas passer la journée à se poser la question, on verra bien plus tard. C'est pas ce que je voulais faire. Bon, ça va, on a quand même eu quelque chose. Ouais, je sais pas trop comment cuisiner ce bretzel. Bon, eux, ils sont moins casse-pieds. Pour l'instant, ça me va bien, moi. Personnel, c'est compliqué de faire cavalier seul quand on est gestionnaire de café. Embaucher du personnel pourra vous aider. Chaque employé est particulièrement doué pour certaines choses. Vous gagnerez progressivement des points d'entraînement de personnel que vous pourrez utiliser pour faire monter le niveau de votre personnel. Pour embaucher de l'aide, vous devrez d'abord mener à bien le projet d'embauche de personnel. Ok. J'oublie qu'il faut que je me déplace. Il me reste quoi comme... rien du tout. Je voulais non pas sortir là. Je voulais retourner juste là vite fait. Ici. Et acheter des grains de café. Parce que du coup, si je me mets là... Vous voyez, là, je vois bien les ingrédients, mais ici, je comprends pas. Simple et salé. Requiert évier, compétence de cuisine 1, ingrédient pain. Ça, c'est moi, c'est le personnel, c'est moi. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est le chat. Bon. On verra ça en temps et en heure. L'idée, ce serait de gagner de suffisamment de sous. Oh, alors elle, c'est pas un vagabond. Qu'est-ce qu'elle va me demander? Comment ça va, la vie à la campagne, Zabou? Ah oui, ok. T'es juste venu faire coucou. Bon, on va passer au lendemain. Alors, sorcière, j'ai rien pu faire. Et Finlay, elle n'est pas restée parce que c'était la fin de la journée. Donc voilà. Du coup, troisième jour. Ah, il faut que je nourrisse ici. Voilà. Lui, je vais prendre sa commande. C'est très sympa dans l'idée, hein. Franchement. Bon, y a juste des choses qu'il faut que je comprenne encore, mais ça, c'est pas le plus important, le plus grave. Alors là, ils me veulent quoi? Mais je peux pas pour l'instant, parce que j'ai pas lancé cette mission-là. Ok. J'ai 120. Je crois qu'il me fallait plus que ça pour acheter une table. C'est 145 la table, ok. Alors j'ai toujours pas compris comment on fait pour créer, parce que là pareil j'ai la machine à café, j'ai acheté du café, je devrais pouvoir en faire, mais a priori j'y arrive pas. Alors, ça doit être tout bête, hein. Oh la revla. Alors, compétence une sur une. Ah, voilà. Regardez. Nickel. Ouh, j'ai peur. C'est...
Bien plus facile que ce que je m'imaginais. Je panique toujours dans ce genre de jeu. Ah bon, on a de quoi acheter une deuxième table? On va y aller. Hop. Voilà, on est bien là. C'est déjà mieux. On a deux tables. Alors, on a récupéré du coup du nectar. Je suppose que quand on me demandera du café, ça sera la machine à café et elle se mettra en route directement. C'est assez classe. Petit chat, il se promène, tout tranquillou. Je sais pas quelle taille peut faire le café hein, après, mais... Le petit cœur, là, il monte tout doucement. Ah, copine sorcière. J'espère que ça me prend qu'un pain à chaque fois, parce que sinon, je vais me ruiner avec les bretzels. On rachètera une table dès qu'on peut pour mettre la troisième chaise qu'on a. Ah, voici la petite jeune qu'on a vue hier et qui nous a pas dit grand-chose. Qu'est-ce qu'elle voulait, elle? Elle voulait discuter. Tu as déjà visité l'animalerie de Carla Lala? C'est bizarre de voir une sorcière gérer une animalerie, mais je suis certaine qu'elle a plein de trucs utiles. Il est déjà 19h, mais les journées, elles passent beaucoup trop vite. Au secours! Ben oui, mais je peux pas faire plus de chats que ça. Est-ce que je peux prendre un autre chat? Est-ce que le leurre, il est où? Attendez, on va regarder. Leurre. On va aller voir ce que ça fait quand on le met dedans. Ah, mais je me fais encore une fois avoir. Si je descends pas, ça peut pas marcher. Hein. Voilà. Je sais pas ce que ça va faire. Est-ce que je vais pouvoir pas avoir un deuxième chat? Il me semble que pour l'instant, je pourrais en avoir qu'un. Trop rigolo. Voici la petite sorcière. Ah, on a un chat qui arrive. Chat errant et adoption. Essayons d'adopter plus de chats. Acheter un leurre, c'est fait. Placer le leurre, c'est fait. Cajoler les chats errants et gagner leur confiance pour les adopter. Plusieurs chats errants vont se montrer. Caresser l'un d'entre eux pour gagner sa confiance. Continue à le nourrir, à le caresser pour remplir sa jauge de confiance et l'adopter. Emplacement de chat. Vous ne pouvez pas dépasser le nombre de chats autorisés par ton nombre d'emplacements de chat. Vous ne pourrez plus adopter de chat errant si vous excédez. Votre capacité d'accueil. Moi j'aime bien celui-là, là. Attendez, on va aller la servir elle déjà. Parce qu'elle avait déjà pas l'air satisfaite la dernière fois, alors on va peut-être pas la faire traîner longtemps. Hein. Alors, moi j'aimerais bien celui-là. Je peux plus pour l'instant. Non. Ok. Ça a l'air de rester. Elle a l'air plus contente que la dernière fois déjà. Ouais, non, elle a pas l'air très contente. Ça s'arrangera par la suite, madame, t'inquiète pas. Et déjà, là, si on est déjà l'après-midi, ça passe super vite. 3 coeurs. Bon, on est déjà à la moitié quasiment. Hein. C'est vraiment sympa comme tout. Ah, revoilà une petite sorcière.
Il va falloir que je rachète du pain. On va gagner pas mal de choses. On a aussi les sous qui montent dans certaines catégories. C'est classe. Oh, quelque chose qui est bizarre. Chat 0 sur 2. Ah, revoilà la petite. Et tu commandes jamais rien, toi ? J'espère que ça ne te gêne pas si je dis que le travail que tu fais ici est une source d'inspiration. Mais s'imaginer toutes les directions qu'une œuvre non terminée peut prendre est amusant, non? Je m'appelle Finlay, je suis musicienne. Pas pour l'argent, sauf si on compte mon argent de poche. Je parais que tu ne savais pas qu'il y avait tant d'artistes à Bourg-en-Chat. Beaucoup d'esprits créatifs ont emménagé pour se concentrer sur leur travail. Café Miaou est un endroit sympa, ils vont apprécier. Nous les artistes, on peut dégoter des bijoux. Les artisans décoration gruff t'en demanderont pour la plupart des meubles. Du coup, si tu cherches à meubler ton café, sers les artistes pour gagner quelques bijoux. Ça marche? Aurais-tu du café? Bien sûr. Qu'est-ce que c'est? Ah bah oui, nouvelle ressource débloquée. Bon, ça, on aurait compris. Du coup, on va faire notre premier café. Bon, on a bien avancé, déjà. On a débloqué, donc, du coup, pour le nectar et pour ce qui est ici, les bijoux. Revoilà les chats. Encore une fois, je pense pour l'avoir. Hein. Ah, il va falloir que je rachète un leurre. Je vais aller le chercher tout de suite. Ah, il n'y en a plus ? Ah, peut-être pour la journée, en fait. On verra demain, alors, du coup. Tu lis beaucoup de livres? Je suis très éclectique en la matière. Je ne suis pas très éclectique en la matière. Hop, on passe à la journée suivante. Bon, on est toujours classement D, forcément. Hein. On peut faire mieux. Vous avez encore deux capacités d'accueil de chats restantes. Ok. Donc là, on est sûr, on peut en faire venir. On va tout de suite aller à la boutique. Ouais, je peux en racheter. Nickel. Je vais racheter une gamelle, on sait jamais. Avant de faire quoi que ce soit, je vais aller mettre un leurre ici. Voilà. C'est qui, elle? Elle veut un café, ok. Voilà. Surveille si les chats arrivent en même temps. Je ne vois pas le temps passer. Mince, lui il a faim, on a bien fait de racheter quelque chose. Les revoilà! Bon, on va finir avec celui-là du coup. Hein. Adopté! Voilà, Gizmo! Vous avez adopté un chat errant. Alors lui, il est quoi? S'assurera que les autres chats sont bien nourris. Nickel. Alors. Là, on sait pas tout, mais on a une recette à faire. Et un service à assurer. Alors, elle nous a donné aussi des cœurs. Les cœurs montent tout doucement, c'est cool. Mettre une deuxième gamelle, je sais pas si on en a vraiment besoin, mais pendant le doute, pince, je ne vais pas faire ça. Bon, tant qu'on a que deux tables personnelles, de toute façon, on a bien fait de se baser là-dessus. C'est vraiment pas utile. Hein. Elle a deux chats maintenant, est-ce qu'elle est plus contente? Toujours pas. Alors, je sais pas ce que chat 0 sur 2 et total de chats veut dire. On verra bien. Nouveau personnage aussi qui arrive. Du café.
va finir tranquillement la journée. Hein. Donc il me reste normalement une place encore pour un chat. On n'a pas revu de vagabond. J'aimerais bien des objets à pouvoir racheter ici avec les tissus, moi. Voilà. On est bien, on est bien. On monte tout doucement. Les chats, ils ont l'air d'être bien aussi. Non, ils sont bien. J'adore ce comment ils font. C'est trop rigolo. Dans les chats, ouais, j'ai les deux maintenant. Ils sont niveau 1 tous les deux. Ah, revoilà le nouveau chat. J'aime bien celui-là. Voilà, on rachètera à l'heure demain. Bah alors, nettoyer la peau de banane qui traîne, ça serait une idée, hein. Alors je sais pas au final combien on pourra avoir de chats. Puisqu'apparemment le terrain avait l'air quand même assez énorme. Zabou, comment allez-vous, toi et les chats? On va le laisser venir au lieu de passer directement demain. Ah bah, il ne fait que passer. Ok. Eh bien écoutez, on va valider ça. On va s'arrêter là pour ce let's play découverte. Moi, je craque totalement. C'est tellement choupinou. Et franchement, c'est le genre de jeu où vous allez vous dire, allez, encore une journée. Attends, je vais juste acheter ça. Et puis, 3 heures après, bah, vous y êtes encore. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez trouvé ce let's play découverte. Si ça vous a plu, laissez-moi tout plein d'un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. En description de la vidéo, vous aurez le lien de ma nouvelle chaîne, Zabou et les Dinos. N'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Et moi, je vous dis donc à très bientôt. Et amusez-vous bien.